Je m'appelle Blaiséos et je suis né il y a un petit moment déjà. Voici ma vie. Je suis né dans la merveilleuse ville de Paris. La ville des Lumières, mais également une mecque d'inspiration artistique. Donc, dès le premier moment où j'ai tenu un pinceau, j'ai instantanément su que je voulais devenir un artiste. J'avais que 6 ans lors de ma première expo d'art. Une expérience inoubliable qui a réellement solidifié mon engagement dans cet art et m'a poussé à poursuivre la peinture tout au travers de ma vie. When I was 20, I moved from Paris to New York City in hopes of achieving my childhood dream and live in the city of my favorite artists. Edward Hopper, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring. This was the happiest time of my life. I finally managed to break through, sold many pieces over several years, and was able to live quite comfortably. But that changed quickly. The day after my 26th birthday, I received a call and heard the worst news anyone could hear at my age. I didn't feel like spending my last few living days painting. So, what better thing to do than watch my favorite film? I've always loved films. And all I needed at that moment was to escape. They were telling me that I had to choose my preferred appearance for the afterlife. So I told them sometime in my early 20s. J'ai consacré ici plusieurs décennies à peindre de nombreuses choses dans ma tête. Mais à quoi bon? Je me suis donc retrouvé à répéter le récit de ma vie et à réfléchir aux plus grandes questions de la vie pour tenter de comprendre pourquoi je suis ici et pas d'autre. Je suis condamné à subir l'idée que je n'ai pas atteint l'épanouissement sur Terre. Je peux même pas compter le nombre de fois où je me suis répété ce discours dans ma tête. Je me sens seul et j'ai complètement perdu la notion du temps. Je souhaiterais sincèrement revivre de mes cendres. Mmh.